Monsieur le Président, les incendies ravagent nos régions. Les gens fuient leurs maisons. Les enfants vont à l'école le matin en respirant de la boucane. C'est quoi la réponse de ce gouvernement? Rien. Ah, rien. Ce premier ministre a promis des milliards contre la crise climatique, mais on apprend que ces milliards sont pognés, sont bloqués dans les coffres du gouvernement pendant que nos forêts brûlent. Oui. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ce gouvernement débloque ces fonds-là, pour qu'on ait une chance, peut-être une petite chance, de lutter contre les changements climatiques? Oui, oui. L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président, et nos pensées vont certainement à toutes les personnes, les dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées par les feux de forêt. Et on remercie du fond du cœur tous les travailleurs et tous ceux qui sont sur le terrain pour aider. Je rappellerai à mon honorable collègue que dans le dernier inventaire d'émissions de gaz à effet de serre du Canada, nous avons démontré que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de plus de 50 millions de tonnes au pays. 50 millions de tonnes. Nous avons le meilleur bilan de tous les pays du G7 entre 2019 et 2021. Et je rappellerai à mon honorable collègue que la pandémie, c'était partout sur la planète. Alors, on a réussi, malgré ça, à avoir le meilleur bilan de tous les pays du G7. Merci, M. le Président. L'honorable député, the honorable member. Le député de Skinnaboxley Valley. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention l'interprétation, mais je n'ai pas entendu ni même le début d'une réponse à l'excellente question de mon collègue. Promettre seulement des investissements contre les changements climatiques, ça ne fait rien si cet argent n'est pas débloqué. Et il faut agir vite. Notre pays est en train de brûler et la prochaine génération regarde la scène avec horreur. Ah, je me dois d'interrompre. J'ai beaucoup de mal à entendre la question de notre collègue. Les gens se parlent. Je demande aux gens que je leur dis que s'ils veulent discuter entre eux, de le faire à l'extérieur. Le député peut recommencer sa question. Monsieur le Président, j'ai écouté l'interprétation, mais je n'ai pas entendu ni même le début d'une réponse à l'excellente question de mon collègue. Promettre d'investir dans la lutte contre les changements climatiques, ça ne fait aucune différence si l'argent n'est pas débloqué. Il est temps d'agir. Notre pays est en train de brûler. La prochaine génération regarde cette scène avec horreur. Comment le ministre peut-il justifier de se traîner les pieds sur la question la plus importante de notre époque? L'honorable ministre de l'Environnement, Monsieur le Président, c'est effectivement l'enjeu le plus important de notre époque. C'est pourquoi nous avons investi des milliards de dollars. Nous avons déployé des règlements. Parlons un peu de la stratégie nationale d'adaptation. Voilà ce que Climate Proof Canada avait à dire. Climate Proof applaudit le gouvernement qui propose une stratégie pionnière. La première stratégie d'adaptation qui est ambitieuse et courageuse. Aucun autre pays n'a proposé de telles cibles. Nous essayons de préparer les Canadiens à s'adapter.